Je fais croire à mon copain que j'ai trouvé un faux ongle dans notre lit pour voir sa réaction. Sans sale. Ah oh, tu vas casser les meubles. Qu'est-ce que t'as? Mais quoi? C'est moi, je te sens toute excitée, toute contente. Bah non, vas-y, mets-toi dans la couette. Ah. C'est du chocolat. Non, montre. C'est quoi? Non, c'est du chocolat. Non, c'est un fou. Non, c'est du chocolat. Ah, c'est du chocolat? Putain, j'ai cru que c'est un fou, j'ai eu peur. C'est quoi? C'est un faux ongle. Oh, pourquoi il y a un faux ongle? Ah, je sais, c'est toi? T'es sérieux, toi? Tu me trompes? Pourquoi il y a un faux ongle? Mais putain, c'est trop bien. Est-ce que j'ai une tête à mettre des faux ongles? Est-ce que j'ai une tête à mettre? Je me trompe même pas ma vie. Pourquoi il y a un faux ongle? Tu m'expliques, t'es sérieux? Tu mais parce qu'il est pou... il a poussé du lit. Mais non mais bébé. Y'a pas de non mais bébé, tu m'as trompé la preuve en image dans mon lit, t'as pas honte en plus. Pardon, dans mon j'ai lit. Pas fait exprès. Dans mon lit, mais t'as pas honte dans mon lit. Sors du lit, dégage. Je fais croire à Zizou et Oliva que j'ai claqué la porte sans les clés pour voir sa réaction. Y'a un problème. J'ai claqué la porte. Sans les clés. J'ai oublié les clés dans la maison. Non. Je te jure. Comment je fais? T'as un double ou pas? En haut, arrête! T'en as pas sur toi dans ton sac? C'est sérieux? J'ai pris mon téléphone. Comment on fait? T'appelles le cellulaire, tu te démarres, tu payes. J'ai pas fait exprès. Ah, tu payes? Non, j'ai... Paye. Non mais, bah, c'est... mais c'est combien? Je l'ai déjà fait une fois, il avait oublié, il était malade. C'est moins 300 euros ça. 300 euros? Oh non, je peux pas, Olivier, je suis désolée, c'est pas chez moi, hein, c'est chez toi. Hein. Mais c'est toi qui as oublié les clés, non? Mais j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Je connais un bon serrurier, il va te le faire gratuit. Là, quand elle enlève sa claquette. Là, c'est pas bon serrurier. Mais on peut pas verrouiller la tu porte. Tu peux pas, toi. T'as un couteau dans ton sac? Un couteau, tu veux pas ouvrir une porte avec un couteau? Mais je sais pas, mais vas-y, j'ai pas fait exprès, vous voulez pas. Non, là, c'est quelqu'un qui a sérieusement là. Olivia. Pourquoi tu payais le serrurier? Je le payais pas. Tu refais en sorte. Eh, je te jure, j'ai failli oublier pour de vrai. Ania. Je rigole pas avec les clés. Ça va pas ou quoi? Coupez la filtre. Non mais attends, franchement, des blagues comme ça, la prochaine fois, ça coupe dans les fesses. Non, c'est bon. Je lui fais croire que je dors sur le canapé et regarder sa réaction. Je vais pas ouvrir. Tu vas dormir sur le canapé ce soir? Hein? Bah oui, j'ai envie de dormir sur le canapé. Sans moi? Non. Ouais. Tu dors toute seule là? Bah oui, ça te dérange pas. Bah si, je dors avec toi. Non, y'a pas de place. Non, mais je peux pas dormir sans toi, mon cas. C'est bien. Non, je vais faire des cauchemars sans toi, j'aime pas. Tu vas faire des cauchemars sans moi? Mais t'es pas un bébé. Bah c'est parce que je veux que tu dors avec moi. Mais c'est une seule nuit. Tu vas pas dormir toute seule comme une pouffie sur le canapé. Non, parce que je vais regarder la télé, c'est rien. Mais oui, mais c'est moi ta télé. C'est une idée. Tu vas revenir? C'est une idée. Dépends-toi. Tada. Il n'y a pas de place. Mais non, il n'y a pas de place, mais tu vas pas dormir par terre. Bah sûrement je dors avec toi. Mais t'es trop mignon. Mais t'es trop mignon, mais tu vas pas dormir par terre. Je peux me faire des papouilles, moi. Mais oui, mais tu vas... Donc sur le canapé, au moins. Tu m'invites? Oui. Mais on rentre pas à deux. Si, je te fais de la place. Ah. Tu prends toute la... Mon cadeau. Avant de te donner ton cadeau, petite question, tu étais où? Mais j'étais dehors, ma vie. Pourquoi tu voulais pas que je vienne te chercher? T'avais un truc à cacher? Non, allez, mon cadeau. T'es sûr? Tu m'as pas trompé? Tiens. Quartier, Agnès, elle a pas le taille. Parce que tu le vaux bien. Mais c'est pourquoi la raison? Bah, parce que c'est pour te faire plaisir, ma vie. Parce que c'est bientôt ton anniversaire. Parce que voilà. Ma vie. Ma vie, mon bébé, mon amour. T'as vu, il a pas été ouvert, rien pour toi. Je l'ouvre? Bah vas-y, let's go. Comment faire? Ah vas-y, ça s'ouvre pas. C'est un faux cadeau. Mais n'importe quoi. Je te fais des propres, mais pas tous les jours quand même. Doucement, ma vie. Waouh. Oh. Elle est trop belle. Montre. Mais c'est pour quelle raison? Mais parce que bébé, je t'aime trop, parce que c'est bientôt ton anniversaire, parce que t'es là. Tu vas passer un message là. Hein? Quel message? Bah en fait, fallait que je te. Viens ici! C'est quand que tu demandes en mariage? C'est vraiment un clochard! Je...
Je paie l'essence de mon mec pour voir sa réaction. J'ai payé avec ma carte. Bah je te mets de l'essence. Ça va pas ou quoi? Enlève tes mains. Mais pourquoi? Tu vas salir tes belles mains mon cœur. T'es une princesse. Les princesses ne touchent pas à l'essence. Mais pourquoi? Mais ça me fait plaisir. T'as payé. Bah oui. T'as payé à ma place. Mais quoi? Mais quand même. Mais bébé, je te mets de l'essence, c'est rien. Hein. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans la voiture, les princesses restent dans la voiture et Alia, je te jure que tu payes pas. Mais... Là t'as payé par carte ou comment? Bah oui, par carte. T'as payé mon essence? Mais oui! Non, tu fais chier. Ah non, là tu fais chier, Alia. Ah non, tu. Mais bébé, mais c'est rien! Tu fais mon essence. Mais tu es mon bébé, tu es ma princesse. Mais tu ça va pas me tuer, mon gars. Tu restes dans la voiture et tu bouges pas, tu m'attends. Mais ça m'a fait plaisir! Mais ça m'a fait plaisir, bébé! Mais il est trop chou! T'es trop mignon. Bah c'est normal mon cœur, excuse-moi, tous les hommes devraient faire ça à leur femme. Une femme ne touche pas l'essence, c'est sale et t'as des belles mains. Je lui demande si c'est pas trop dur d'être en couple avec une Kardashian. Amien, pourquoi tu rigoles, pourquoi tu filmes, vas-y. Parce que tu me fais mal au cœur. Pourquoi tu me fais mal au cœur? Pourquoi, vas-y? Je sais pas comment tu fais pour supporter ça tous les jours. Supporter quoi? Mais d'être mariée avec une Kardashian. Moi? Kim quoi? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian, personne, oui. Kim Kardashian chante. Kim Kardashian chiante. Pourquoi chiante? Mais parce que t'es chiante. Elle est chiante. Mais non, moi je suis pas chiante. C'est bien Kim Kardashian. C'est Kim Kardashian chiante. Voilà, elle est là. Nature en peinture. Et t'es sérieux ou quoi? Et me demandez pas pourquoi je suis en couple avec elle. Hein? Bah parce que je ressemble à Kim Kardashian. Ah non, tu ressembles tout sauf à elle. Chiante, oui. Comment ça, je ressemble tout sauf à elle? Moi, je suis une Kim Kardashian. Bah, Kim Kardashian, elle faisait là. Tu te fous de ma gueule là? Un gros cul, pas toi! Mais. T'es sérieux ou quoi? Tu me fais peur. Les gens, problème sur problème. Les gens, quand je vous dis problème sur problème, donc comme on vous a dit tout à l'heure, on a quitté Cannes, d'accord? Là, on est à 1h30 de route de Cannes. Ça veut dire qu'il nous reste 6 heures pour arriver à Paris. Anya a oublié son maquillage. De 1. Regardez, on est sur une aire d'autoroute, les gens. Les gens, là, c'est la grosse merde. Mais quand je vous dis la grosse merde, c'est la grosse merde. Putain! J'ai oublié mon sac Louis Vuitton à l'hôtel. Avec toutes mes paires de baskets Louis Vuitton. Il y en a pour 10 000 euros. On est obligé. On doit repartir à Cannes. Regardez les gens, il est 22h30. On en a encore pour une heure de route. Depuis tout à l'heure, on hésitait avec Anya. On s'est dit, est-ce qu'on fait demi-tour ou pas? Et au final, on est resté une heure sur l'aire de repos pour faire demi-tour au bout d'une heure. Non, mais c'est bon, ça m'a saoulé là. On devait récupérer notre chien demain. J'avais un rendez-vous demain. On avait plein de trucs à faire. Maintenant, on se retrouve à aller à Cannes. Mais du coup, on reste pas qu'un jour. Hein. Non, on reste deux jours. Mais par contre, après, c'est fini. Il y a plus de prolongement. Tu me vérifies que toutes mes affaires, elles sont dans la voiture. Anya, t'es ma mère. T'es ma femme, t'es ma mère, t'es mon sextoys, t'es tout. Mais tu sais, tu veux te dire un truc? Quoi? J'ai fait exprès, pour qu'on retourne à Cannes. Bon bah les gens, on repart à Cannes. Les gens, on vient de réarriver à Cannes. J'en peux plus. Réveillez-moi. Réveille-toi, putain. Regardez déjà qu'on a tout dans des sacs poubelles. On doit tout renlever. Bébé? C'est un canular, ce qui se passe. C'est pas possible. Bon les gens, du coup, on était partis à l'ancien hôtel. On a récupéré mon sac bouton. On a récupéré sa truc de maquillage. Je suis fatigué. Ah, je vous jure, je suis un peu plus. Regardez, Anya, bébé, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, les gens, mais on est quel genre de galère? On devait arriver dans 4 heures à Paris, d'accord? Oh là là, sérieux? On débarque avec nos grosses valises, nos sacs poubelles. Oh, j'en peux plus. Journée de malade. Les gens, c'est normal, on commence déjà la pause ou... Bah ouais, séparation, chacun son lit. Les gens, j'irais pas des gosses. Bah ouais. Mais tu sais que bébé, ce soir, on va pas pouvoir... Oh non. Bah c'est pas grave, j'en fais pour la nuit. Dans un petit lit comme ça. Bah ouais, c'est vrai. Bon, c'est parti, Anya la pigeonne est de retour. Dans 10 jours, c'est l'anniversaire à Zizou. Et je sais qu'il rêve d'une seule chose, c'est du bar Cartier Love. Du coup, bah c'est parti, je vais lui acheter pour lui faire plaisir. Regardez, je savais pas qu'à Cartier il y avait des sacs, vous en pensez quoi? Ils sont trop beaux.
Bon, en vrai, je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour le cadeau à Zizou, donc je me concentre et je vais choisir un beau cadeau. Non, mais sérieux, c'est quand mon mec il va m'acheter ça? Il y a ce magnifique collier à 32 000 euros. J'aime trop, c'est mon coup de cœur. J'aime trop cette bague, mais il y a un diamant. Je pense que pour Zizou, ça serait mieux sans diamant. Vous en pensez quoi? C'est bon, j'ai trouvé le cadeau qui va kiffer. Et en plus de ça, comme ça, il sera obligé de penser à moi. Il doit m'acheter la même pour qu'on se marie. C'est bon, j'ai trouvé son cadeau. C'est bon, je suis bien rentrée dans la chambre et maintenant je vais appeler Zizou pour lui dire que j'ai un cadeau pour lui. C'est parti, je l'appelle. Allô? Allô bébé? Oui ma vie. J'ai un petit cadeau pour toi. Genre? Je te jure, viens à la chambre d'hôtel. Ma vie, t'es la meilleure. Bah attends, là je suis dehors, là je vais arriver. Mais t'es où? Là, je suis dehors ma vie. Tu viens te chercher mon bébé? Non, t'inquiète, je vais te rejoindre, t'inquiète. J'arrive ma vie. T'es sûr? Ça va? C'est vrai, t'as dans nos vidéos? C'est une blague. Je suis choquée, il veut même pas que je vienne le chercher, il est en train de faire quoi? Il veut même pas lui acheter un cadeau pour rien! Allô Malika? Ça va? C'est ma mère? Ça va et toi? Ça va avec une fille là? Mais non bébé, c'est ta mère! Oui, ça va, merci. Non, je voulais savoir. En fait, je voulais te dire que Anya va pas pouvoir partir en vacances avec toi. Pour la fin du mois d'août, parce que je l'emmène à Marrakech! C'est pas vrai? Ouais. Et je voulais lui prendre, tu sais, le dernier sac Louis Vuitton là qu'elle a vu. Ouais, et c'était quoi le maquillage? Huda Beauty? Ah, Huda Beauty! Ouais, voilà. Ça coûte cher. Mais non, ma vie, t'es ma princesse, je ferai tout pour toi. Tu m'entends? Ouais, et aussi, Malika, je voulais te dire un dernier truc. Je sais pas comment te le dire, mais est-ce que tu penses que tu pourrais être la témoin d'Anya? La témoin? Pourquoi la témoin? Tu vas me marier? Comment ça, la témoin? Mais parce que là, Malika, je pense que c'est l'heure de. D'avoir le bébé, de se marier. Et du coup, bah là, c'est officiel. Je veux la marier. Ah, on va se marier? Je peux prendre la main de ta fille? Mais oui! Je rigole, bébé, j'étais pas au téléphone. Mais c'est bon, là? Je dis à mon copain que j'ai encore faim pour voir sa réaction. Bébé, j'ai encore faim, ma vie. Tu veux me passer ta salade, s'il te plaît? Non. Mais t'es sérieux, là, tu fais le rat? J'ai encore faim, hein? Enfin. Oui? Tu me la donnes. Tu me donnes ta salade. Bah oui, non, jamais. Tu vas goûter au moins ou pas? Non. Elle était trop bonne. Ma vie, tu... Vas-y, si tu veux. J'ai trop faim. Je veux tout ce que tu veux manger, je le veux pour moi. Donne-le-moi. Donne-moi la boule. Merci ma vie. Et l'autre? Ah bah c'est par deux. Bah oui c'est par deux les boules. Donne-moi ton coca. J'ai soif aussi, ton coca s'il te plaît ma vie. Ma vie, ton coca. Merci mon bébé. Oh. Et ton coca. Maman. S'il te plaît. Tiens lui, je te donne ma grenadine. Tiens. Merci. Non mais me dis pas que ça aussi tu la veux. S'il te plaît. Oh bah je la garde. Mais t'as plus rien, tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi ma vie? Bah vraiment, je te regarde manger. Oh, mais ce qui est... Mais ce qui est d'Amadi. Bon les gens, cette fois c'est officiel. Bye bye Khan. Et cette fois, je ne vais pas prolonger. Quoi? T'es sérieux là? Moi, je veux que tu prolonges. J'ai envie de rester. Non bébé, il faut rentrer à Paris. On va aller récupérer le chien. Non. On a des rendez-vous. Et on va aller voir ta mère, ma mère. Et ça va être l'heure de la pause. Quoi? On va faire genre, ça, il y a encore deux heures avant. Elle m'a dit on va faire une pause. Et là, elle fait genre quoi? Juste oui, on va pour... faire une pause. Voilà. Bon allez, c'est parti. Mais, bébé, t'es complètement malade. J'ai une dame qui nous regarde tout en haut là. Bon, les gens, Anya est partie chercher à manger. Je vais voir si je peux prolonger, mais je vous garantis pas parce que franchement, j'ai des rendez-vous de malade. Je dois aller au tribunal de police. Faut que je rentre. Bon, je regarde si je peux prolonger. Bon, du coup, le manger est là. Et bébé, je peux t'annoncer qu'on va prolonger. Ouais, je rigole. Non, je te promets, je rigole. J'ai voulu, mais on peut pas. Genre là, c'est obligé, on doit rentrer à Paris. On n'a pas envie de rentrer. Est-ce que c'est drôle là? C'était pas drôle là. Vas-y, j'ai eu un faux espoir. Bon, les gens, c'est direction Paris. Ah, mais c'était pas là, on rentre. Sous la pluie. Ah non, mais je te parle sérieux, on rentre. Les gens, il y a un très gros problème. Écoutez ma voiture. On doit rester ici. Non, on doit surtout appeler un dépanneur. Allez. J'ai envie de rester ici. Je fais croire à Zizou que je veux passer une soirée sans lui avec ma mère pour voir sa réaction. Ma vie? Ouais. Tu t'es préparé? Ah oui. C'est pas vrai. Bah si, sinon je t'invite, je vous invite. Ah, petite princesse. Mais justement, je voulais te dire un truc en fait. Ah
Ne le prends surtout pas mal, ok? Jamais. En fait, je voulais passer une petite soirée avec ma mère et on voulait aller partir manger au restaurant sans toi. Juste un soir, ma vie. Allez, mange sans moi. Oui, juste un soir. Je sais que ça suffit. Tu m'abandonnes? Non, je te commanderai un petit McDo dans la chambre. Est-ce que j'ai une tête à manger un McDo? Toi, tu vas manger sur la croisette. Ma vie, ça fait longtemps que j'ai pas eu ma mère, je veux la voir. C'est ma mère. Je veux passer un moment avec elle. C'est moi ta mère, ma vie. C'est pas ma mère. Mais si, je suis ta mère. Mais non, mais t'es mon mari, mon meilleur ami, tout ce que tu... Ton père. Non, tu n'es pas mon père. Je suis ton père, je t'ai dit va au lit. Mais t'es sérieux ou quoi? Je veux manger avec ma mère, en fait. Soit je viens avec vous, soit je ne t'autorise pas à sortir. Mais t'es sérieux ou quoi? Je suis tout le temps à 24 toute l'année collée à tes fesses toute l'année, matin, midi, soir, je peux passer un moment avec ma mère. Oui, je vais manger sans toi. Tu veux aller manger sans moi? Oui, je vais aller manger. Tu veux aller manger sans moi? Allez, j'y vais. Tu vas aller manger sans moi? Bah oui, pourquoi? Mais tu vas aller manger sans moi? Bah oui. Juste, tu vas aller manger sans moi? Bah oui, j'y vais. Donc tu veux manger sans moi? Oui. Donc tu veux vraiment manger sans moi? Mais ouais, tu vois. Mais il est malade. Allez, je te prends le McDo. À tout. Non, t'inquiète, je vais manger ailleurs avec quelqu'un. T'inquiète. Avec qui? T'inquiète. Hein? Tu sais, on fait des connaissances à la plage. Non, c'est bon. Mange sans moi. Coucou Mehdi, il est 2h30 du matin. Et je vais liker tous vos TikTok si vous vous abonnez au compte que je vais vous mettre juste ici. Donc abonne-toi au compte que je te mets juste ici. Une fois que c'est fait, tu me dis fais et encore. Fais dans les commentaires et je passe et on like tous tes TikTok. Je suis choquée, ça marche vraiment, genre. Vraiment, essaye, tu vas voir, ça marche vraiment. Get ready with me. Les filles, je vais vous faire un get ready with me en voiture. Parce que ce soir, on rentre à Paris. Les filles, je vous jure, je suis trop triste de rentrer. En plus, j'ai trop mal au crâne. Si on aurait su, on aurait prolongé ma vie. Hein. Ouais. Ma vie a un problème. J'ai mis où ma trousse de maquillage? Ma trousse de maquillage, je l'avais mis dans mon sac exprès pour le Get Ready With Me. Mais non, tu l'avais pas mis dans le sac. Si. Mais non, tu... Quoi? Elle est restée à l'hôtel sur la vie de ma merde. T'es sérieux, là? J'ai la haine. J'ai la haine contre toi, j'ai le démon contre toi. Je t'ai demandé de prendre ma trousse parce que elle rentrait pas dans mon sac et tu l'as pas pris. En tout cas, c'est pas en criant qu'elle va revenir qu'avec des petites pattes. Bah non, mais on y retourne. Hein? On retourne à l'hôtel. On va chercher ma trousse de maquillage. Ah, c'est mort. Non, c'est mort. Non, mais j'ai le droit. Ok, tu veux retourner à Cannes? Regardez les gens. Là c'est mort. Quoi? Mon maquillage? On est à 40 minutes de Cannes. Ça va, c'est rien, 40 minutes. S'il te plaît. Comment je vais faire? On y va, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai le choix? Non. On y va. Allez, on y va. On y va, ma vie. Je peux pas faire mon 4-18, mais là, dépêche-toi, il va fermer. Bébé, il y en a pour une heure. Et donc? Allez, on y va, là, vite, tu perds du temps.